2. Moi c'est Max, je suis au sac nautique des Régates Rémoises et actuellement je suis dans le 400 de l'équipe de France. Moi c'est Alan Mitchell, je suis au club aviron Saint-Cassien et je suis au 3 du 400 de l'équipe de France. Moi c'est Alex, je suis rameur au sac nautique des Régates Rémoises et je suis au 4 du 400 de l'équipe de France. Moi c'est Hector, je suis à la nage du 400 de l'équipe de France et je rame pour l'AULU. Bah, de base j'étais pointu, ça fait 4 ans maintenant que je suis pointu, je suis champion de France en pointe, en 4 bars. Et l'année dernière au pôle de Toulouse, jusqu'en février, on n'a pas réussi à trouver un partenaire pour ramener en pointe. Du coup ils m'ont envoyé en skiff au championnat de France bateau court où je suis 3ème. Et maintenant me revoilà dans mon milieu naturel on va dire et on va essayer de faire une bonne performance en pointe maintenant. Les courses sont passées et on a bien vu que le 8 c'était pas pour cette année et c'est pour ça qu'on a formé un 400. Bien, notre coach c'est Gilles Bosquet, un ancien Rémois. Les trois premières semaines à temps se sont très bien passées parce que le matériel là-bas est assez neuf. On a eu beaucoup de chance, on a une salle de muscu de toute nouvelle génération, etc. On a un bon suivi là-bas. On a dormi dans le château à côté de la base, donc c'était plutôt sympa. Il y a tout qui était mis à disposition pour pouvoir s'exploiter au maximum et s'entraîner le mieux possible. Qui s'est bien passé. Il y a eu forcément quelques engueulades, mais il y a eu beaucoup de rires et beaucoup de bons moments passés ensemble, que ce soit sur l'eau, en dehors, avec le reste de l'équipe ou tous les quatre. Donc voilà, je trouve que c'était un très bon stage, il a été très positif et c'est une bonne équipe qu'on a. Moi je trouve qu'on a quand même très bien progressé pendant tout ce mois de stage terminal. Et je pense qu'on a fait suffisamment de progrès et puis on va voir ce que ça donne en course réelle très prochainement avec le parcours handicap. Et je pense qu'on a montré qu'on peut avoir de bonnes vitesses et je pense qu'on aborde assez avec une certaine confiance à peu près les chevaliers du monde, même si on sait que en face, les bateaux seront aussi performants. Moi, pour ma part, je trouve ça avantageux parce qu'on connaît très bien le bassin, le balisage, etc. Et on est quand même chez nous, donc ça rajoute un peu une force pour pouvoir se battre. Et on est en France, on est chez nous et on ne sait pas faire. Donc, dès que j'arrive ici, je sais que je suis en mode compétition et que c'est le moment de commencer le travail qui est dur. Criez le plus fort possible. Et venez nombreux. Venez nombreux, criez fort et criez à l'unisson pour qu'on puisse vous entendre. C'est comme une sacrée chance, c'est un peu majestueux de tester le bassin avant les Jeux, mais enfin, pour moi, je trouve ça très beau et très cool de venir ramer un an avant les Jeux.